Depuis ce matin, Pascal Haïti est entendu sous le régime de la garde à vue dans les locaux de la DSP. Les enquêteurs l'ont convoqué dans le cadre d'une enquête qui vise à faire la lumière sur le rôle de Gaston Flosse à l'Assemblée. Cette affaire prend une tournure cocasse pour l'ancien président du pays. En effet, les enquêteurs ont découvert que de l'argenterie et de la vaisselle de la présidence avaient disparu après son départ en septembre dernier. Ce matin, ces biens ont été retrouvés lors de deux perquisitions menées au domicile de Gaston Flosse à Erima et dans les locaux de l'Assemblée. La vaisselle et l'argenterie, estimées à 4 millions de francs, ont été restituées au service de la présidence pendant la journée. Les enquêteurs envisagent d'interroger Gaston Flosse dans les prochains jours. Le parquet a demandé l'ouverture d'une information judiciaire pour détournement de fonds et de biens publics. Un juge d'instruction devrait être saisi très prochainement.